Le chômage n'a jamais été aussi élevé dans la zone euro. 11,7% de la population active en octobre selon Eurostat, soit 18 700 000 personnes touchées pour les 17 pays de l'Union monétaire européenne. Israël aura tout fait pour l'empêcher et tente d'en minimiser l'impact. Mais pour les Palestiniens, le statut d'État observateur à l'ONU est un événement historique. 138 pays ont voté pour, dont la France et la Suisse, 9 contre, Israël donc, les États-Unis, le Canada notamment, et 41 pays se sont abstenus, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni. Concrètement, les Palestiniens vont pouvoir exister sur la scène internationale bien plus qu'avant. Mahmoud Abbas se met à espérer un statut d'État membre de plein droit pour la Palestine. Un projet de constitution adopté en Égypte, 234 articles validés à l'unanimité par l'Assemblée dominée par les islamistes sur fond de crise politique suite au décret conférant des pouvoirs exceptionnels au président. Mohamed Morsi promet un référendum dans 2 semaines sur le texte dénoncé par l'opposition et l'Église copte qui y voient un risque de renforcement de la charia, la loi islamique. Enfin, aucune des parties ne confirme l'information, mais un accord financier à l'amiable aurait été trouvé, selon le New York Times, entre Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo, qui le poursuit en justice au civil aux États-Unis. Le scandale d'agression sexuelle présumée en mai 2011 avait mis fin aux ambitions présidentielles de l'ancien patron du FMI. Dominique Strauss-Kahn a reconnu une relation sexuelle inappropriée, mais a démenti toute contrainte mise en avant par la femme de chambre.